Oui, tout de suite. Patience, j'arrive. J'arrive. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Le professeur est à la maison? C'est pour la leçon? Oui, madame. Il vous attend. Asseyez-vous un instant. Je vais le prévenir. Merci, madame. Monsieur, descendez, s'il vous plaît. Votre élève est arrivé. Merci. Je descends. Dans 2 minutes. Bonjour, mademoiselle. C'est vous, c'est bien vous, n'est-ce pas, ma nouvelle élève? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous voyez, je suis venue à l'heure. Je n'ai pas voulu être en retard. Oh, c'est bien, mademoiselle. Merci, mais il ne fallait pas vous presser. Je ne sais comment m'excuser de vous avoir fait attendre. Je finissais justement, n'est-ce pas, de... Oh. Je m'excuse. Vous m'excuserez. Il ne faut pas, monsieur. Il n'y a aucun mal, monsieur. Mes excuses. Vous avez eu de la peine à trouver la maison? Oh, du tout. Pas du tout. Et puis, j'ai demandé. Tout le monde vous connaît ici. Non. Oui. Il y a 30 ans que j'habite la ville. Vous n'y êtes pas depuis longtemps. Comment la trouvez-vous? C'est une jolie vie. Elle ne me déplaît nullement. Ouais. C'est une jolie ville. Agréable, un joli parc, un pensionnat, un évêque, des rues, des avenues, de beaux magasins. Oh,
C'est vrai. Mais pourtant, j'aimerais autant vivre autre part à Paris, ou au moins à Bordeaux. Vous aimez Bordeaux? Je ne sais pas, mademoiselle, je ne connais pas. Mais alors, vous connaissez Paris? Non plus, mademoiselle, non plus. Mais si vous me le permettez, pourriez-vous me dire Paris, c'est le chef-lieu de mademoiselle, de... Paris, c'est le chef-lieu de la France. Oh. Cocorico. Mais oui, mademoiselle, bravo, mais c'est très bien, mais mes félicitations, mais c'est parfait. Vous connaissez votre géographie nationale sur le bout des ongles. Vos chefs-lieux. Je ne les connais pas tous encore. Ce n'est pas si facile que ça. J'ai du mal à les apprendre. Ça viendra. Du courage, mademoiselle, de la patience. Doucement, vous verrez, ça viendra. Ça viendra. Il fait beau aujourd'hui. Ah, plutôt pas tellement. Enfin, il ne fait pas trop mauvais. C'est le principal. Il ne pleut pas. Il ne neige pas non plus. Ce serait bien étonnant car nous sommes en été. Ce serait bien étonnant car nous sommes en été. Ce serait bien étonnant car nous sommes en été. Je m'excuse, mademoiselle, j'allais vous le dire, mais vous apprendrez que l'on peut s'attendre à tout. Évidemment, monsieur. Vous ne pouvez être sûr de rien, mademoiselle, en ce monde. La neige tombe l'hiver. Oui. L'hiver est une des quatre saisons. Oui. Les trois autres sont... Le print. Le print... Le printemps. Oui, c'est ça, c'est... Et puis le... L'été. Ah, c'est ça. Et puis le... Ça commence comme automobile, mademoiselle. Comme automobile. Automne. Oui, comme automobile. Automne. Oh, je sais bien cela, mademoiselle. Très bien répondu, très bien répondu. Je suis convaincu que vous serez une bonne élève. Vous ferez des progrès. Vous êtes intelligente. Vous paraissez instruite. Bonne mémoire. Je connais mes saisons, n'est-ce pas, monsieur? Oh, mais oui, mademoiselle. Enfin, ou presque, même. Ça viendra. C'est déjà bien, mais vous arriverez à y connaître toutes vos saisons, les yeux fermés, hein, comme moi. C'est difficile. Oh non. Il suffit d'un petit effort, hein, de la bonne volonté. Vous arriverez à les connaître toutes vos saisons, hein. Soyez-en sûrs. Bien. Je voudrais bien, monsieur. J'ai une telle soif de m'instruire. Mes parents désirent que j'approfondisse mes connaissances. Oui. Ils veulent que je me spécialise. Ils pensent qu'une simple culture générale, même si elle est solide, ne suffit plus à notre époque.
Mais vos parents, mademoiselle, ont tout à fait raison. Vous devez pousser vos études. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est une chose nécessaire. La vie contemporaine est devenue très complexe. Et tellement compliquée. Ouais. Mes parents sont assez fortunés. J'ai de la chance. Ils pourront m'aider à travailler, à faire des études très supérieures. Oui. Et vous voudriez vous présenter ? Le plus tôt possible, au premier concours de doctorat. C'est dans 3 semaines. Vous avez déjà votre baccalauréat, si vous me permettez de vous poser la question. Oui, monsieur, j'ai mon bachot sciences et mon bachot lettres. Non, oh, vous êtes déjà très avancé, même trop avancé pour votre âge. Et quel doctorat voulez-vous passer ? Sciences matérielles ou philosophie normale ? Mes parents voudraient bien... Si vous croyez que cela est possible en si peu de temps... Oui, oui. Il voudrait bien que je passe mon doctorat total. Le doctorat total? Vous avez beaucoup de courage, mademoiselle. Je vous félicite chaleureusement. Nous tâcherons de faire de notre mieux. D'ailleurs, vous êtes déjà bien assez savante à un si jeune âge. Oh, monsieur! Bien. Alors, si vous voulez bien me permettre, mes excuses, je vous dirai qu'il faut se mettre au travail. Nous n'avons guère de temps à perdre. Mais oui, monsieur, je le veux bien. Et même, je vous en prie. Et puis-je donc vous demander de vous asseoir là? Bien. Voulez-vous me permettre, mademoiselle, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de m'asseoir en face de vous? Oui, monsieur, je vous en prie. Merci bien, mademoiselle. Bien. Alors, si cela ne vous ennuie pas, pouvons-nous commencer? Oui, monsieur, je suis à votre disposition. Oh, ma disposition, ma disposition, mademoiselle. C'est moi qui suis à votre disposition. Je ne suis que votre serviteur. Oh, monsieur. Alors, si vous voulez bien, je commencerai par faire un examen sommaire de vos connaissances passées et présentes afin de pouvoir en dégager la voie future. Bien, où en est votre perception de la pluralité? Elle est assez vague, confuse. Eh bien, nous allons voir ça. Voulez-vous, mademoiselle, que nous fassions un peu d'arithmétique, si vous voulez bien? Oui, monsieur, je ne demande que ça. Mais, écoutez, c'est une science assez nouvelle, c'est une science moderne, c'est à proprement parler plutôt une méthode qu'une science. C'est aussi une thérapeutique. Marie, est-ce que vous avez fini? Oui, monsieur. Je vous ai apporté cette poupée. Eh bien, dépêchez-vous, allez à votre cuisine, je vous prie. Oui, monsieur. J'y vais. Excusez-moi, monsieur. Faites attention. Je vous recommande le calme. Vous êtes ridicule, Marie, voyons, ne vous inquiétez pas. On dit toujours ça. Je n'admets pas vos insinuations. Je sais parfaitement comment me conduire. Je suis assez vieux pour cela. Justement, monsieur. Vous feriez bien de ne pas commencer par l'arithmétique avec mademoiselle. L'arithmétique, ça fatigue. Ça énerve. Plus à mon âge. Plus à mon âge. Et puis de quoi vous mêlez-vous? C'est mon affaire. Je la connais. Votre place n'est pas ici. Bien, monsieur. Mais vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. Marie. Mmh.
Je n'ai que faire de vos conseils. C'est comme monsieur. Excusez-moi, mademoiselle, pour cette sotte interruption. Excusez, cette femme, elle a toujours peur que je me fatigue. Elle craint pour ma santé. Oh, c'est tout excusé, monsieur. Ça prouve qu'elle vous est dévouée. C'est rare, les bons domestiques. Enfin, elle exagère. Sa peur... Sa peur est stupide. 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 Bien, revenons à nos moutons arithmétiques. Je vous suis, monsieur. Tout en restant assise. Bien, bien. Arithmétisons donc un peu. Bien. Oui, très volontiers, monsieur. Cela ne vous ennuierait-il pas de me dire... Du tout, monsieur, allez-y. Combien font 1 et 1? 1 et 1 font 2. Oh, mais c'est très bien, mais vous semblez très avancé dans vos études. Vous aurez facilement votre doctorat total, mademoiselle. Je suis bien contente, d'autant plus que c'est vous qui le dites. Bien, bien. Poussons plus loin. Bien, poussons plus loin. Alors, combien font 2 et 1? 3. 3 et 1. 4. 4 et 1. 5. 5 et 1. 6. 6 et 1. 7. 7 et 1. 8. 7 et 1. 8 bis. 7 et 1. 8 terres. 7 et 1. 8 quarters. Et parfois 9. Magnifique. Magnifique. Vous êtes magnifique. Vous êtes exquise. Oh, je vous félicite chaleureusement. Oh, oh. Oh, ce n'est pas la peine de continuer. Pour l'addition, vous êtes magistral. Magistral. Bien. Bien. Voyons un peu la soustraction. Oui, monsieur. Dites-moi, seulement si vous n'êtes pas épuisé, combien font 4 moins 3? 4 moins 3. 4 moins 3. Oui, je veux dire retirer 3 de 4. Ça fait 7. Je m'excuse d'être obligé de vous contredire. 4 moins 3 ne font pas 7. Non, non, vous confondez. 4 plus 3 font 7. 4 moins 3 ne font pas 7. Il ne s'agit plus d'additionner. Il faut soustraire maintenant. Oui, oui. Voilà. Donc, 4 moins 3 font combien? Combien? 4. Non, ce n'est pas cela, mademoiselle. 3 alors? Non plus, pardon, je dois le dire, ça ne fait pas ça, mais mes excuses. 4 moins 3, ça ne fait tout de même pas 10? Certainement pas, mademoiselle, non, non, non. Mais il ne s'agit pas de deviner, hein. Il faut raisonner. Hein. Bien, bon. Bien, tâchons de le déduire ensemble. Oui, monsieur. Voulez-vous compter, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Bien. 1, 2. Vous savez bien compter. Jusqu'à combien savez-vous compter? Je puis compter à l'infini. Cela n'est pas possible, mademoiselle. Alors mettons jusqu'à 16. Oui, cela suffit. Il faut savoir se limiter. Eh bien, comptez donc, s'il vous plaît, je vous prie. 2. Oui. Et puis après 2, il y a 3. Oui. Et puis 4. Arrêtez-vous. Quel nombre est le plus grand? Le nombre 3 ou le nombre 4? 3 ou 4. Quel est le plus grand? Mais le plus grand de 3 ou de 4, dans quel sens le plus grand? Eh bien, il y a des nombres plus petits et d'autres plus grands.
Dans les nombres plus grands, il y a plus d'unité que dans les plus petits. Que dans les petits nombres ? À moins que les petits aient des unités plus petites. Si elles sont toutes petites, il se peut qu'il y ait plus d'unité dans les petits nombres que dans les grands, s'il s'agit d'autres unités. Dans ce cas, les petits nombres peuvent être plus grands que les grands nombres ? Laissons cela, cela nous mènerait trop loin. Sachez seulement qu'il n'y a pas que des nombres. Non, non, il y a aussi des grandeurs, il y a des sommes, il y a des groupes, il y a des tas de choses comme des prunes, des wagons, des oies, des pépins, des pépins, etc. Supposons simplement, pour faciliter notre travail, que nous n'avons que des nombres égaux. Et les plus grands seront ceux qui ont le plus d'unités égales. Celui qu'on aura le plus sera le plus grand? Ah, je comprends, monsieur, vous identifiez la qualité à la quantité. Cela est trop théorique, mais vous êtes trop théorique, vous n'avez pas à vous préoccuper de cela. Prenons notre exemple et raisonnons sur ce cas précis. Laissons pour plus tard les conclusions générales. Nous avons donc le nombre 3 et le nombre 4, chacun ayant toujours un nombre égal d'unités. Bien, quel nombre est le plus petit? Le nombre le plus petit ou le nombre le plus grand? Excusez-moi, monsieur. Qu'entendez-vous par le nombre le plus grand? Est-ce celui qui est moins petit que l'autre? C'est bien cela, mademoiselle. Vous avez très bien compris, c'est bien cela. Alors c'est 4. Eh bien, et qu'est-ce qu'il est 4? Plus petit ou plus grand que 3? Plus petit! Non! Ah! Plus grand. Bien. Excellente réponse. Et combien d'unités avez-vous entre 3 et 4, ou entre 4 et 3 si vous préférez? Il n'y a pas d'unité, monsieur, entre 3 et 4. 4 vient tout de suite après 3. Il n'y a rien du tout, monsieur, entre 3 et 4. Je me suis mal fait comprendre. C'est sans doute ma faute, je n'ai pas été assez clair. Non, monsieur. La faute est mienne. Bien. Tenez. Voici 3 allumettes. Voici 3 allumettes. En voici encore une. Cela fait 4. Vous voyez, elles sont bien 4. Bien. J'en retire une. Combien vous en reste-t-il? 5. Si 3 et 1 font 4, 4 et 1 font 5. Non! Non! Non, ce n'est pas ça! Ce n'est pas ça! Vous avez toujours tendance à additionner! Il faut aussi soustraire, il ne faut pas uniquement intégrer! Il faut aussi désintégrer! Désintégrer! C'est ça la vie, c'est ça la philosophie! C'est ça la science! C'est ça le progrès! C'est ça la civilisation! Oui, monsieur! Revenons à nos allumettes! Vous en avez 4, vous voyez, elles sont bien 4! Bien! Je vous enlève une, combien vous en restait-il? Je ne sais pas, monsieur. Voyons, faites un effort. Ce seul n'est pas facile, je l'admets, mais enfin, vous êtes assez cultivé pour pouvoir faire l'effort intellectuel demandé pour venir à comprendre, alors! Je n'y arrive pas, monsieur. Je ne sais pas, monsieur. Bien. Prenons des exemples plus simples. Si vous aviez deux nids, et je vous en aurais arraché un, hein, combien vous en resterait-il maintenant? Aucun! Comment aucun? Oui, c'est...
C'est justement parce que vous n'en avez arraché aucun que j'en ai un maintenant. Si vous l'aviez arraché, je ne l'aurais plus. Vous n'avez pas compris mon exemple. Vous n'avez pas compris mon exemple. Supposons que vous ayez une seule oreille. Oui, après. Je vous en ajoute une. Combien en auriez-vous? Deux. C'est bien. Je vous en ajoute encore une. Combien en auriez-vous? Trois oreilles. C'est bien. Je vous en enlève une. Il vous en reste combien? Deux. Oui. Je vous en enlève encore une. Combien vous en reste-t-il? Hein? Deux. Non! Vous en avez deux! J'en prends une, j'en mange une! Deux! Non, j'en mange une! Deux! 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 Une! L'exemple n'est pas concluant. Si vous avez 10 doigts. Oui, si vous voulez. Ah, pas parfait. Vous avez donc 10 doigts. Bien. Combien en auriez-vous si vous en aviez 5? 10, monsieur. Non, ce n'est pas ça. Mais si, monsieur. Je vous dis que non. Mais vous venez de me dire que j'en ai 10. Je vous ai dit aussi de suite après que vous en aviez 5. Mais je n'en ai pas 5, j'en ai 10. Ça. Bien. Bon. Procédons encore. Limitons-nous au nombre de 1 à 5 pour la soustraction. Attendez, mademoiselle. Vous allez voir. Je vais vous faire comprendre. Écoutez-moi. Vous voyez, mademoiselle. Vous voyez, ce sont des bâtons, mademoiselle. Des bâtons. Ici, un bâton. Là, deux bâtons. Puis, trois bâtons. Quatre bâtons. Cinq bâtons. Un bâton. Deux bâtons. Trois bâtons. Quatre bâtons. Cinq bâtons. Ce sont des nombres. Quand on compte des bâtons... Chaque bâton est une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Une unité, mademoiselle! Qu'est-ce que je viens de dire? Écoutez-moi. Bien. Combien font... Attendez. Si vous n'arrivez pas... à comprendre profondément ces principes, ces archétypes mathématiques, vous n'arriverez jamais à faire correctement un travail de polytechnicien. Ni même ne pourrait-on vous charger d'un cours à l'école polytechnique, ni même à la maternelle supérieure. Bien. Alors maintenant, combien faut 3 755 998 251 multiplié
par 5 milliards, 162 millions, 303 000, 508. Ça fait 19 quintillions, 390 quatrillions, 2 trillions, 844 milliards, 219 millions, 164 mille, 508. C'est assez fort, en effet. Pourtant, vous me permettrez de vous avouer que cela ne me satisfait pas, mademoiselle. Et je ne vous féliciterai donc pas. Car en mathématiques et en arithmétique, tout spécialement, ce qui compte, car en arithmétique, il faut toujours compter, et surtout de comprendre. Oui, monsieur. Je ne suis donc pas content, mais pas content du tout. Ça ne va donc pas. Pas du tout. Non, monsieur. Bien. Laissons cela pour le moment. Passons à un autre genre d'exercice. Bien. Oui, c'est ça. Voilà. Là, c'est bien. Voilà. C'est dommage, mademoiselle, que vous soyez si peu avancée en mathématiques spéciales. Monsieur. Je crains que vous ne puissiez vous présenter au concours du doctorat total. Oui, monsieur, dommage. Monsieur. Au moins si vous... Enfin, mais laissez-moi, monsieur. Marie, enfin, laissez-moi, mais de quoi vous mêlez-vous? Mais à votre cuisine, à la vaisselle. Allez, monsieur, allez. Monsieur. Nous tâcherons au moins de vous présenter au doctorat partiel. Monsieur. Mais lâchez-moi donc, mais qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur. Je dois donc vous enseigner, si vous tenez vraiment à vous présenter au doctorat partiel... Oui, monsieur. ...les éléments de la linguistique et de la philologie comparés. Non, monsieur, il ne faut pas. Marie, vous exagérez. Non, monsieur. Surtout pas la philologie. La philologie mène au pire. Au pire? En voilà une histoire! C'est trop fort, sortez! Bien, monsieur. Mais vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. La philologie mène au pire. Je suis majeur, Marie. Oui, monsieur! C'est comme monsieur veut. Continuons, mademoiselle. Continuons. Oui, monsieur. Je vais donc vous prier d'écouter avec la plus grande attention mon cours tout préparé. Oui, monsieur. Grâce auquel, en 15 minutes, vous pouvez acquérir les principes fondamentaux de la philologie linguistique et comparée des langues néo-espagnoles. Oui, monsieur. Silence! Que veut dire cela? Pardon. Silence! Pardon, monsieur. Silence! Ainsi donc, mademoiselle,
L'espagnol est, eh bien, la langue mère de toutes les langues néo-espagnoles, dont l'espagnol, l'italien, le latin, notre français, le portugais, le roumain, le sarde ou sardanapal, l'espagnol et le néo-espagnol. Vous pouvez prendre note, si vous voulez. Oui, monsieur. Mais nous ne nous attardons pas dans les généralités. Oui, monsieur. Cela a l'air de vous plaire, tant mieux. Monsieur. Ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons plus tard. À moins que ça ne soit plus du tout, qui pourrait le dire. Toute langue, mademoiselle, sachez-le et souvenez-vous-en jusqu'à l'heure de votre mort. Oui, monsieur. Et ceci est encore un principe fondamental. Toute langue n'est en somme qu'un langage, ce qui implique nécessairement qu'elle se compose de sons ou de monsieur, monsieur. De sons. Monsieur, 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 monsieur. Oui. Phonème. C'est bien cela. C'est bien ça. Mais n'étalez donc pas votre savoir. Écoutez plutôt. Oui, monsieur. Bien. Les sons, mademoiselle, doivent être saisis au vol par les ailes pour qu'ils ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Oui, monsieur, dans les oreilles des sourds. Pardon. Oui, monsieur, dans les oreilles des sourds. Oui, c'est bien cela. Par conséquent, si vous décidez d'articuler, il est recommandé, enfin dans la mesure du possible, de lever très haut le cou et le menton, de vous élever sur la pointe des pieds, comme ceci. Vous voyez Oui, monsieur. Restez assise. Taisez-vous, n'interrompez pas. Monsieur. Bien. Et d'émettre les sons très hauts de toute la force de ses poumons. Comme ceci, regardez. Comme ceci. Papillon. Trafalgar. Trafalgar. Eureka. Eureka. Papi. Pa. De cette façon, les sons emplis d'un air chaud, plus léger que l'air environnant, voltigeront sans jamais tomber dans les oreilles des sourds, qui sont les véritables gouffres, les tombeaux des sonorités. Dans les oreilles des sourds, papi, papa. Ouais, c'est bien cela, mademoiselle, c'est bien cela. Mais, ainsi donc, mademoiselle, ainsi donc, qu'avez-vous donc? J'ai mal aux dents, monsieur. Ça n'a pas d'importance. Nous n'allons pas nous arrêter pour si peu de choses. Bien, continuons. Oui, monsieur. Comment dites-vous en français? Comment dites-vous en français? Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. J'ai mal aux dents, monsieur. Ce n'est pas grave, continuons, dites quand même. Oui, monsieur, mais j'ai mal aux dents. Dites quand même, allez. En français? Oui, en français. Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont... aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Eh bien, on dira en français, les roses de ma grand-mère... Comment dit-on grand-mère en français? Eh bien, grand-mère. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes... jaunes en français, ça se dit... Jaune? Ben oui, évidemment. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père lorsqu'il se mettait en colère. Non, qui était asiatique. Oui, j'ai mal aux dents, monsieur. Oui, continuons. Bien, traduisez maintenant cette phrase en espagnol puis en néo-espagnol. En espagnol, ce sera...
Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Non, c'est faux. En néo-espagnol, ce sera « Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique !» Non, c'est faux, c'est faux. Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. Non, ce n'est pas du tout ça, c'est ça le contraire. C'est ça le contraire. C'est ça le contraire. Mais j'ai mal aux dents, monsieur. Vous vous embrouillez. C'est vous qui m'embrouillez. Restez assise et prenez des notes. Je vais vous dire la phrase en néo-espagnol, en espagnol, puis en latin. Et vous traduirez après moi. Bien. Prenez garde. Attention, car les ressemblances sont grandes. Et ce sont des ressemblances identiques. Bien. Écoutez bien. Bien. En espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Bien. En latin, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. C'est aussi vous les différences? Bien. À vous, traduisez maintenant cette phrase en roumain. En roumain, ce sera les roses. Comment dit-on rose en roumain? Mais famille, rose, voyons, rose. Hein? Ce n'est pas rose. Non, mais écoutez-vous, mademoiselle, nous allons nous fâcher. Ah, les mal aux dents, vous m'embêtez, monsieur! Nom d'un caniche à barbe! M'écoutez-vous! J'ai mal! Allez-y! Ne m'interrompez pas! Ne me mettez pas en colère, je ne répondrai plus de moi! J'ai mal aux dents! Aux dents! J'ai mal! Aux dents, je vais vous les arracher, moi, les dents! Je vais vous les arracher, moi, les dents! Je vais vous les arracher, moi, les dents! Encore un exemple. Le mot capital revêt suivant la langue que l'on parle un sens différent. C'est-à-dire que si un espagnol dit j'habite dans la capitale. Cela ne veut pas dire du tout la même chose que ce qu'entend un portugais quand il dit « il habite dans la capitale ». J'ai mal aux dents, monsieur. Mais silence, je vous fracasse le crâne. J'ai mal aux dents. Au lieu de regarder les mouches voler tandis que je me donne tout ce mal, Vous feriez mieux de tâcher d'être plus attentive. Ce n'est pas moi qui vais passer mon doctorat partiel. Je l'ai passé, moi, mon doctorat partiel, ainsi que mon doctorat total et mon diplôme supra-total. Vous ne voyez donc pas que je veux votre bien? Oui, je vous écoute, allez-y. Ce ne sera pas comme ça. Bien. Pour vous apprendre à distinguer toutes les différentes langues, rien ne vaut la pratique. Mais procédons par ordre. Je vais tâcher de vous apprendre toutes les traductions du mot couteau. C'est comme vous voulez. Bien. Marie, elle ne vient pas. Marie, mais pourquoi ne venez-vous pas quand je venais de venir? Il faut venir, voyons, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui commande ici, c'est moi qui commande. Elle ne comprend rien, celle-là, elle ne comprend rien. Ne vous mettez pas dans cet état-là, monsieur. Gare à la fin. Ça vous mènera loin, tout ça. Ça vous mènera loin. Je saurais m'arrêter à temps. On le dit toujours. Je voudrais bien voir ça. J'ai mal aux dents. Vous voyez, ça commence. C'est le symptôme. Quel symptôme? Expliquez-vous, que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire? Le symptôme final.
Le grand symptôme. Sottise. 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 Non. Non, 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 non. Ne pars pas, Marie. Ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Je t'ai appelé pour aller me chercher le couteau. Le couteau espagnol. Néo-espagnol. Portugais. Oriental. Roumain. Français. Latin. Espagnol. Et néo-espagnol. Ne compte pas sur moi. Voici un couteau, mademoiselle. Un couteau. Répétez après moi. Couteau. Comme cou, comme couteau, comme ton, comme couteau. 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 Couteau, mademoiselle. Couteau. 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 Couteau, c'est bien. Couteau. Couteau, monsieur, couteau. Couteau. Couteau, monsieur, couteau. 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 Couteau, mademoiselle. Couteau, monsieur. Couteau. Oui, couteau. Couteau, mademoiselle. Couteau. Ah, mais j'en ai assez, monsieur. J'ai mal partout, monsieur. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux dents, j'ai mal partout, monsieur. J'ai mal aux pieds, laissez-moi. Couteau. Laissez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Couteau. Monsieur, laissez-moi. Couteau. Monsieur, laissez-moi partir, monsieur. Répétez couteau. Monsieur, couteau. Monsieur, vous faites mal aux oreilles. Couteau. Vous avez
salope. Bien fait. Bien fait. Ah. Ah. Ah, ça fait du bien. Mademoiselle ? Mademoiselle ? Mademoiselle, la leçon est terminée. Vous pouvez partir. Vous paierez une prochaine fois. Mademoiselle ? Marie, venez, Marie, 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 venez, s'il vous plaît, Marie. Non, non, ne venez pas, Marie, ne venez pas, je me suis trompé. Non, non, j'ai pas besoin de vous, hein. Non, ne venez pas, ne venez pas. Ne venez pas, Marie. Alors, vous êtes content de votre élève? Elle a bien profité de votre leçon. Oui, la leçon est terminée, mais elle est encore là, elle ne veut pas partir. Oui, en effet. Ce n'est pas moi, Marie, je vous assure, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais qui donc, alors? Qui donc? Moi? Je ne sais pas, peut-être. Ou le chat? Ah, c'est possible. Peut-être. Et c'est la 40e fois aujourd'hui. Et tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours. Mais vous allez vous rendre malade. Vous n'aurez plus d'élèves. Ce sera bien fait. Ce n'est pas ma faute. Elle ne voulait pas apprendre. Voilà. Elle était désobéissante et c'était une mauvaise élève. Elle ne voulait pas apprendre. Voilà. Menteur. Ça ne vous regarde pas. Petit assassin. Salaud. Petit dégoûtant. Vous vouliez me faire ça à moi? Mais je ne suis pas une de vos élèves, moi. Et je vous avais bien averti pourtant. Tout à l'heure encore. L'arithmétique mène à la philologie. Et la philologie mène au crime. Vous aviez dit au pire. C'est pareil. J'avais mal compris, je croyais que pire c'est une ville et que vous disiez que la philologie menait à la ville de pire. Menteur. Vieux renard. Un savant comme vous ne se méprend pas sur le sens des mots. Je n'ai pas fait exprès de la tuer. Vous le regrettez au moins? Oui, Marie, je vous jure. Oui, Marie, je vous jure. Vous me faites pitié, tenez. Vous êtes un brave garçon, quand même. On va essayer d'arranger ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enterrer. Avec les 39 autres. Ça fera 40 cercueils. On va appeler les pompes funèbres, mon amoureux, le curé Auguste. On va commander les couronnes. Merci bien, Marie, merci bien. Mais pas trop cher les couronnes, elle n'a pas payé sa leçon. Ne vous inquiétez pas, on va l'emporter. Au risque de se faire pincer avec 40 cercueils, vous vous imaginez? Les gens vont être étonnés. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire si ils nous demandent ce qu'il y a dedans? On dira qu'ils sont vides. D'ailleurs, les gens ne demanderont rien. Ils sont habitués. Quand même, 40 cercueils. Tenez. Si vous avez peur, portez ceci. Vous n'aurez plus rien à craindre. Ah oui, merci bien, Marie. Avec ça, je suis tranquille. C'est politique. Avec ça, je suis tranquille. Merci bien, ma petite Marie. Merci, vous êtes bien bonne. Vous êtes bien dévouée. Merci bien. Allez.
On s'en débarrasse. Il ne faut pas lui faire de mal. Il ne faut pas lui faire de mal. Mademoiselle, c'est pour la leçon. Le professeur vous attend.